Salut à tous, on est le 14 octobre, je suppose que d'ici quelques jours, au pire une semaine ou deux, le futur PAMAC 6.1.0 que je vais vous présenter rapidement dans cette vidéo sera officialisé. PAMAC, c'est l'outil d'ajout et suppression de programme de Manjaro, qui est aussi portable sur Arch Linux et apparenté. Je suis sur AUR le mainteneur du paquet PAMAC-AUR-Git. Celui-ci. Donc là, actuellement, c'est une version 6.0.4. R3, c'est celle d'avant-hier, que j'étais obligé de mettre à jour suite à un changement de processus de compilation. Je tiens à remercier le développeur de PAMAC d'avoir changé ça. Merci beaucoup. Et donc, ce matin, je me suis dit, bon, ben, je vais aller sur la page de PAMAC et voir ce qu'il y a comme nouveauté. Donc, il nous dit là, Move filters to sidebar and search bar visible at startup. Bouger les filtres dans la barre de côté de barre latérale et rendre la barre de recherche visible au démarrage. Non, pourquoi? Et bien tout simplement par rapport à ça. Cette petite chose. Un des développeurs de la Artix, Chromnix, a décidé de forker PAMAC 5 pour utiliser la vieille interface. Pourquoi pas? Quand on voit l'état de l'Artix, il faudrait peut-être mieux s'occuper d'autre chose. Mais ça, peu importe. Voilà. Je vais vous nettoyer dans le descriptif. Donc, et puis là, je regardais sur le code de PAMAC. Je regardais dans les commits. Voilà. Et si je clique dessus, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Et je vais vous mettre ça en plus gros, vous allez comprendre pourquoi ça m'a parlé. Voilà, je descends. Voilà. Qu'est-ce qu'on va marquer là? 6.1.0. Putain de bordel de pompe à merde. Oh, désolé. Je nettoyais ma bouche et le coup est parti tout seul. Donc, j'ai fait recompiler PAMAC. Et voilà à quoi ressemble la version 6.1.0. Voilà l'affichage par défaut de PAMAC 6.1.0. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, vous me direz. Mis à part, bon, maintenant, toutes les catégories sont accessibles comme ça. C'est pas plus mal. Là, je trouve que c'est plus pratique que sur le côté. Le grand haut, plutôt, je veux dire. Tous les paquets étrangers que j'ai installés. Voilà. Les paquets orphelins, dont ceux qui ont servi à la compilation de notre ami PAMAC. Donc, on va tout sélectionner. Tac, tac. Détail, ça va les enlever. On applique. Validé. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le plan graphique, mis à part cette nouvelle présentation, qui permet un peu de couper l'herbe sous le pied du PAMAC classique. On voit que le développeur d'Artix s'occupe vraiment de notre distribution. Bref. Dans les paramètres, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hein. Dans les préférences, c'est toujours le même truc. Bah, donc rien de nouveau. Comme j'utilise PAMAC en remplacement de Calu qui commence à me gonfler un peu, c'est un outil que j'utilise au quotidien. Et je me suis dit autant utiliser les paquets. Voilà, ça regarde la version de PAMAC, AUR-Git. Voilà, si on clique ici, clic droit, détail, c'est la version 6.04, révision 4. Qui est compilé aujourd'hui même, Anon Packager, c'est moi! Voilà! Bah, c'est ma propre machine. Si vous marquez, moi, il est marqué dans PAMAC, que ce soit sur Manjaro, sur Arch Linux ou autre, apparenté bien sûr, Anon Packager, c'est simplement vous qui avez recompilé le paquet pour le faire fonctionner. Pour pas chercher à comprendre. Voilà. Donc les dépendances, avec les dépendances officielles, et les fichiers installés. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. L'affichage par catégorie, bien sûr. Et un petit truc que je voulais vous montrer. Ah, c'est pas là, c'est dans groupe. Si je vais dans Maté. Et oui, j'utilise Maté 1.19, la preuve. J'ai fait recompiler Maté 1.19. Et vous avez sous les yeux aussi Maté 1.19.0. Il n'y a pas grand-chose de différent, mais vous avez Maté sous les yeux.
Donc voilà en gros les grosses différences du maté, enfin du maté, du PMAC 6.1.0 qui sortira d'ici, on va dire, le 20 octobre, en tout cas c'est. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!